Voilà, donc la qualification est terminée, nous sommes cinquième et nous sommes surtout sur la grille avec un HUD complet. Donc je vous ai remis le HUD bien comme il faut, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires pour suivre la course tout comme moi. Donc on va partir pour 7 tours, j'ai bien remis les pneus médium, j'ai bien mis assez d'essence pour aller au bout. Et bah, y a plus qu'à prier que ça passe et on constate surtout la domination des Lotus. Alors on va avoir une grille complète de 22 pilotes. Pas 24, et ça risque déjà de provoquer du restart à foison, j'ai envie de dire, d'ici bien la fin du premier tour. On n'a pas trop de ping dégueulasse, il y en a quelques-uns, notamment le garçon là-bas à gauche qui est à 229. Pour notre part, on est entre 30 et 40, ce que j'ai habituellement avec ma connexion, et on va voir bien comment va se passer cette petite course en ligne. Les feux rouges se font attendre, je vous l'avoue. Donc ça va, j'espère, arriver assez rapidement. On n'est pas trop longtemps à patienter. Il n'y a pas trop d'excités autour de moi. Ça ne titille pas la pédale d'accélérateur, comme vous voyez, tout le monde est très très calme. Donc devant, ça devrait aller. Je pense que si on a la chance de bien partir, on a une chance de survivre au freinage de Tamburello. Les feux vont s'allumer d'ici 2 jours, je pense, puisque c'est le départ le plus long que j'ai connu sur Assetto Corsa. Allez, ça va bientôt partir, on cale l'accélérateur. C'est parti. Et on prend un excellent départ. Oh, et on est touché. On est touché, on revient sur la piste. Et voilà, c'est ce qui ne devait pas se passer. On a été touché par le garçon à gauche. Alors, on va essayer de repartir, tant bien que mal. Oh là là, pardon au garçon à côté. Est-ce qu'on va avoir un restart? Oh là là, c'est très compliqué. Ah, c'est dommage. On avait pris un bon départ. Oh là là, derrière, il y a beaucoup de Ferrari. Alors, il n'y a pas eu trop de pertes, donc on risque pas d'avoir un restart. C'est dommage. Objectif remonté. Alors on a deux plats sur les deux pneus avant. Aïe aïe aïe, et on est très lent. Et c'est de nouveau le garçon qu'on a gêné à la sortie des stands. La voiture est totalement inconduisible avec les plats sur les pneus avant. Oh là là, non. Et là, par contre, la direction est touchée. Donc, c'est terminé. Vous l'entendez à mon volant. Donc, on va retourner au stand. Et je pense que... Non, je me suis trompé. Typical race, effectivement. Ça s'est mal passé, c'est dommage, on avait vraiment une réelle chance de s'en sortir. Malheureusement, on a été victime de ce départ. C'est dommage, vraiment. On était bien placé en plus 5ème. La touchette avec le garçon sur la gauche. Ça a été de trop.